Audio Jungle. Voilà, shalom mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Hosanna. Je suis tellement ravi de vous compter encore parmi nous. On nous dit qu'il est bon et doux que les frères se mettent ensemble. Et moi aussi, je suis tellement ravi de vous compter encore parmi les vivants. Et je crois que le bon Dieu aujourd'hui va vraiment abondamment vous bénir à travers sa servante qu'elle a disposée aujourd'hui. Je crois que nous avons vu dans ce plateau le pasteur Esther Gladys, avec qui nous allons essayer un peu de partager sur les termes la puissance et l'importance des dons spirituels. C'est vraiment un thème que nous avons tiré dans le livre de 1 Corinthiens, verset 14. Raison pour laquelle je vous invite tous à être vraiment attentionnés et aussi à prendre des notes ainsi que vos stylos, parce que nous allons être enseignés aussi à avoir une grande connaissance concernant les dons spirituels. Pasteur Esther, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère, comment vous allez? Oui, très bien pour la grâce de Dieu. Okay. Nous sommes tellement contents de vous compter parmi nous. Le plaisir est partagé, merci pour l'invitation, merci pour tous les amis qui nous suivent et nous croyons que Dieu va certainement nous bénir. Voilà, nous allons directement entrer dans le vif du sujet du message d'aujourd'hui. Pour commencer, nous devons savoir par définition, c'est quoi d'abord un don spirituel? Je vais lire parce que ce sont des mots vraiment, je voudrais que nous puissions rentrer dans l'origine, dans les contextes. Vous savez, aujourd'hui nous parlons de beaucoup de choses terre à terre. Parfaitement. Alors moi je pense que pour connaître le fond d'une pensée biblique, surtout d'un mot biblique, il faudrait un peu faire l'étude. Ça vient d'où? Aujourd'hui nous avons des mots en français. Par exemple, je parlerai du mot amour. Quand nous parlons d'amour, vous pouvez dire que j'aime les poulets, j'aime ma soeur et j'aime ma femme. En français, nous voyons que c'est le verbe amour. Nous risquons de penser que c'est le même verbe en grec. Non. En grec, quand vous lisez, vous allez voir trois verbes différents. Il y a l'amour agapé, il y a agapo, il y a l'amour eros dedans et il y a l'amour sophia. Donc, c'est très important quand nous avons un mot de revenir dans l'origine, dans la pensée de l'auteur. Quand l'auteur écrivait ça, quand il engageait ces mots, qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? Alors aujourd'hui, puisque nous parlons de dons spirituels, permettez-moi d'essayer de nous définir c'est quoi d'abord le mot « don ». Le mot « don » est une traduction du mot grec « charisme » qui dérive du mot « charizomai » qui veut tout simplement dire une faveur que quelqu'un reçoit sans mérite. Sans mérite. Okay. Une faveur que quelqu'un reçoit sans mérite. Et étymologiquement, donc, c'est ça, charisme qui donne aussi grâce. Faveur. Donc, le mot don est interchangeable avec le mot faveur et le mot grâce. Surtout dans le Nouveau Testament en grec. Et vous verrez que le mot charisme est utilisé 17 fois dans le Nouveau Testament. 17 fois. Je vais citer quelques passages. Est-ce que c'est cité dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, c'est la même pensée. J'ai parlé de charisme comme le mot grec, parce que la Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu et une partie en araméen avec Daniel et consorts. Mais dans le Nouveau Testament, c'est majoritairement le mot, c'est en grec. Alors ici, je parle du mot charisme dans le Nouveau Testament qui est mentionné 17 fois, la plupart d'ailleurs chez Paul. Je vais prendre quelques passages. Par exemple, le Romains chapitre 1er, le verset 11, l'apôtre Paul dit « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don, charisme, grâce, faveur. » Romains chapitre 5, le verset 15, il dit… Oui, c'est toujours l'apôtre Paul, il dit « En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, il dit « La grâce de Dieu… » Le don de la grâce. Il parle de don de la grâce. Donc, quand vous lisez Romains chapitre 5, le verset 15, vous verrez que l'apôtre Paul parle de la justice. Parce qu'il dit, par un seul homme, le péché est entré, mais par le don de Dieu, la vie est entrée, nous avons reçu la justice. Il parle de la justice comme la grâce que nous obtenons de Dieu. Je vais prendre un autre texte. Qu'est-ce dire de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, l'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons, charisme, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, 9, vous pouvez lire 1 Corinthiens 12, 28, 1 Corinthiens 12, 30, 12, 31, 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je te rappelle de ranimer les flammes du don. Tu vois, que tu avais reçu. Il parle d'une grâce qu'on n'a pas méritée. Quelque chose que nous avons reçu par pure grâce. L'apôtre Pierre, il dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, « Comme des bons intendants des diverses grâces des dieux. » Il dit que chacun mette au service de l'autre le don qu'il a
reçu. Et donc, la définition du mot don, dans son étymologie, il s'agit de la grâce, la faveur, dont on n'a pas mérité, mais que nous jouissons. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez écouté la définition de la grâce à long et à large, vraiment dans l'étymologie du sens du mot don. Et pasteur Esther nous a expliqué, vraiment, je crois que vous tous, vous avez eu à comprendre et aussi à maîtriser. Voilà, nous allons continuer notre émission avec notre deuxième question. Pourquoi les dons spirituels dans la vie des chrétiens? D'abord, nous devons savoir qu'est-ce que l'apôtre Paul dit des dons spirituels. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul dit, il a donné le don, il dit, pour... Nous pouvons les lire carrément. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. Voyons ce que l'apôtre Paul est en train de dire pour ce qui concerne. Il dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous livrez entre les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons déjà les pour ici. La question pourquoi, la réponse est les pour. Pourquoi un chrétien doit avoir un don spirituel? C'est pour l'édification de l'Église. Voilà. C'est pour l'utilité commune. En fait, le don, ce n'est pas pour toi, le don, c'est pour l'autre. L'apôtre Paul, dans Galates, il parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est pour la consommation personnelle. La tempérance, tu as besoin de ça pour toi-même. La douceur, tu as besoin de ça pour toi-même. La maîtrise de soi, tu as besoin de ça pour toi-même. La paix, tu as besoin de ça pour toi-même. Mais le don, c'est pour l'autre. C'est pour que l'Église soit édifiée, pour que l'Église soit fortifiée. J'ai écrit dans mes notes ici que les charismes ou le don sont donnés pour accomplir un service en vue d'un besoin particulier à l'Église. Accomplir un service, non dans un but lucratif. Non, pas du tout, puisque c'est un don. Nous avons défini le don, c'est une faveur imméritée. Tu n'as rien fait, la personne te l'a donné gratuitement. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour se faire un nom, ce n'est pas pour devenir vedette. Ce n'est pas, Dieu dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Dieu n'a pas dit à Abraham, fais-toi grand par moi. Ce que Dieu ne nous donne, ce n'est pas pour nous trouver des positions, mais c'est pour le servir. Et s'il faut qu'on t'élève, qu'on t'établit, ça c'est à Dieu de le faire. Ce n'est pas ton travail. Mais pasteur Esther, aujourd'hui nous voyons un peu la différence ou bien cette remarque où beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, lorsqu'ils reçoivent les dons spirituels, ce n'est pas pour un but commun plutôt, mais c'est pour un but lucratif. Alors, une personne qui a un don de prophétie, avant qu'il puisse prophétiser pour toi, il doit demander l'offrande de l'action de grâce avec que je pense que Dieu m'a inspiré. Ça, c'est un sujet vraiment très ambigu qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Si je reste d'abord sur le don spirituel, avant d'entrer sur l'offrande prophétique et tout ça, parce qu'il ne faut pas aussi nier important. Oui, il ne faut pas nier des notions bibliques. Okay. La question qu'il faut se poser, est-ce que dans la Bible, il existe des offrandes prophétiques? Tout sujet que nous devons retrouver aujourd'hui dans la vie, nous devons l'analyser à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça la question. Nous allons voir des gens comme que Isaac, avant de bénir ses fils, il a demandé qu'on lui fasse un plat. Mais est-ce que cela devient une doctrine? Pour que quelqu'un soit béni, qu'il faut lui donner quelque chose. L'apôtre Paul dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Est-ce que dans le Nouveau Testament, la notion de sacrifice est-il enlevée? Ou on l'a maintenue? Oui, on l'a maintenue parce que les textes que je viens de lire dans Romains chapitre 12, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais ici, nous voyons que le sacrifice n'est pas d'abord pécuniaire, n'est pas d'abord financier, n'est pas d'abord matériel, mais c'est notre vie. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Et Jésus dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Tous les autres viennent après. Donc c'est pourquoi je disais que quand on parle de l'offrande pour un serviteur de Dieu, c'est vraiment ça, je pense qu'on doit faire une autre émission pour parler de l'offrande. Mais parler du don spirituel, le don spirituel, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le don spirituel n'est pas activé par l'argent. Parce que la personne qui reçoit le don, nous avons dit, c'est pour l'utilité commune. Celui qui prophétise, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, celui qui parle en langue s'édifie. Mais celui qui prophétise édifie l'autre ou l'église. Vous voyez? Donc, quand Dieu nous donne les dons spirituels, c'est pour que l'autre soit béni au travail de notre ministère. Vous savez, les dons, ce sont des aptitudes aussi reçues de Dieu. Ce sont des faveurs. Là, je parlais étymologiquement, ce sont des faveurs de grâce. Mais les dons, ce sont des aptitudes reçues de Dieu.
des capacités que Dieu nous donne. Ses aptitudes, les dons, ça peut être naturel ou spirituel. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle des dons spirituels. Mais quand vous lisez Romains chapitre 12 aussi, vous verrez qu'il parle des dons naturels. Il dit que celui qui a les dons de présider, que celui qui a les dons de l'hospitalité. Okay. Ce sont des talents, des dons que Dieu nous donne. Alors, avoir un don, des aptitudes, c'est Dieu qui les donne. La Bible dit tout don excellent et toute grâce parfaite vient d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais ces dons-là, la mise en pratique, ça devient ministère. Tu peux avoir un don. Mais aussi longtemps que tu ne les mets pas en pratique, les autres ne sont pas bénis par toi, tu n'as qu'un don. Et tu sais d'ailleurs, quand nous lisons la Bible, Jésus a réprimandé, a même puni. Il a demandé aux gens d'aller d'ailleurs là où il y a l'égrissement de dons et de faits, c'est où? Et c'est l'enfer pour les gens qui avaient reçu des talents, mais qui n'ont pas fructifié. Voilà, pasteur, ici vous venez de parler d'une chose tellement importante sur, concernant les ministères. Nous voulons savoir, est-ce que les ministères font partie aussi des dons? Si nous devons rester dans la définition que le don, c'est une faveur que Dieu donne aux hommes. Je ne parle pas de dons spirituels, je parle de dons. Alors quand on parle de dons, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, il nous parle de dons spirituels. Quand on parle de dons, ça dit que quelque chose que Dieu a donné, qu'on n'a pas forcé, on n'a pas payé, on n'a pas mérité. Mais le ministère aussi, la Bible dit dans Éphésiens, le même qui est monté, qui est descendu, il est aussi monté et il a pris des hommes, il a fait les dons aux hommes. Les uns comme, les autres comme. Et la Bible dit, j'aime la nuance, qu'il a fait les dons. C'est lui qui a fait, ce n'est pas nous-mêmes qui nous faisons. Personne ne peut se réveiller un bon matin, bon, je décide de devenir apôtre. Je décide de devenir prophète. Non, c'est Dieu qui fait un don. Et la nuance entre le don, je pense qu'il y a une question sur le don prophétique et le ministère prophétique, c'est là qu'on va peut-être en parler. Mais le ministère, en termes de l'appel, puisque tu ne t'es pas appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné les dons. Il y a beaucoup de dons. Même le salut, c'est un don. Okay. C'est d'ailleurs le meilleur des dons que nous donne son fils. Le don est le plus parfait. Le plus, l'excellent, le meilleur. Parce que la Bible dit, ça servira à quoi un homme de tout gagner s'il perdait son propre âme. Voilà. Pasteur Estelle, lorsque j'ai posté votre intervention d'aujourd'hui sur mon statut et les thèmes, il y a une personne qui a posé la question, c'est moi concernant ces thèmes que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Il a dit, comment recevoir les dons spirituels? C'est à travers les prières et les jeûnes répétitifs, ou bien tu dois attendre les temps voulus de Dieu? Puisque ma Bible est ouverte, lisons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci, recherchez la charité, n'est-ce pas? Et après il dit quoi? Aspirez aux dons spirituels. Il y a une version qui dit, désirez ardemment aux dons spirituels. En fait, Dieu est plein. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vient. Vous savez, dans la Bible, il y a des appels généraux. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque. Quiconque, c'est qui, c'est quiconque. Ça, c'est général. Mais il y a des appels pour les recevoir. Il y a des critères. Qui est particulier. Que celui qui a soif, pas n'importe qui. Qui est seulement celui qui a soif. Qui le désire. N'importe, pas n'importe qui. N'importe qui reçoit le salut. Mais pour que le fleuve d'eau vive sort, il faut avoir la soif. Et donc, il faut aspirer. Un homme de Dieu dit, ce que tu aimes, tu l'attires. Ce que tu résistes, tu le repousses. C'est pourquoi ça ne sert à rien de critiquer certains dons. Quelque chose que tu admires, que tu apprécies, tu l'attires auprès de toi. Okay. Je parlerai d'abord de méthode de l'apôtre Paul d'aspirer, mais la deuxième, je parlerai de la prière. La prière. La prière, c'est le wifi céleste qui nous amène des choses d'en haut en bas. Parce que même si tu aspires et que tu ne pries pas, il faut prier. La prière, c'est un signe de foi. Celui qui prie montre que Dieu peut accomplir ce qu'il lui demande. Celui qui prie à la foi, en fait. Et je dirais aussi, il y a certains dons. Généralement, quand on parle des dons, le verbe qu'on utilise, c'est découvrir. Ça veut dire qu'il faut découvrir, c'est qu'il y a des choses que Dieu enfouit en nous. Paul dit à Timothée, il dit, rallume le don que tu as reçu par l'imposition de main. Il y a des choses que nous recevons par grâce. Ça peut être pendant la prière, ou une prophétie, ou j'ai même envie de dire une prédestination. Mais pour que ces choses se manifestent, c'est dans l'exercice. Tu peux être à l'église en train d'exercer, tu es à l'intercession, tu es en train de prier et voilà, un jour, tu vas voir ton responsable. Et quand j'ai prié, j'ai vu une image. C'est dans l'exercice. Ce n'est pas en étant oisif, passif, non. Il y a des choses qu'on apprend sur terrain. Tu sais, on peut donner la définition de la chaleur, mais quelqu'un qui ne s'est pas encore brûlé n'aura que la définition de la chaleur, mais il ne saura pas c'est quoi la chaleur. Okay. Il y a des choses pour les connaître, il faut être sur terrain. Ok. Voilà, je crois que vous avez reçu la réponse concernant cette question. Il y a des choses que nous devons
les vivre sur le terrain pour qu'ils puissent avoir l'expérience. Parce que théoriquement, ça sera un peu difficile. Et aussi, pour l'expérimenter, il faut vraiment prier et aussi avoir la foi. Vraiment se consacrer dans la présence de Dieu pour découvrir ce que Dieu a mis en toi et aussi ce que Dieu a besoin de faire dans ta vie. Je crois que, Pasteur Esther, nous allons continuer avec notre quatrième question, vraiment tellement importante. Comment devons-nous conserver les dons spirituels que nous avons réussi à travers la prière et par l'imposition des mains? Ah, gloire à Dieu, vous avez déjà donné la manière qu'on l'a reçu. Moi, je pense que tel que nous sommes là, si nous devons aller à la Lune aujourd'hui, nous voulons devenir des astrologues, il y a deux choses qui vont se faire. Premièrement, on va nous faire porter des